Bonzer à tous, Thierry Graszerbi, des Segounois. La rentrée politique se poursuit. sur viaté là, et nous recevons ce soir Jean-Christophe Angelini, maire de Portovieu, président du groupe avancé à l'Assemblée de Corse. Bonzer bonne à boy. Bonne à, bonne à, à, à boy. Et boy, Dominique Moret. Alors, première question, elle concerne la prise de fonction de Michel Barnier au poste de premier ministre après deux mois de consultation, de tergiversation. Comment vous accueillez cette nomination? Sur un plan général, je trouve un peu surprenant, pour ne pas dire autre chose, que l'on désigne quelqu'un qui soit, dirons-nous, aux antipodes. A priori, on verra sur pièce bientôt du résultat des législatives. Donc d'un point de vue démocratique, je trouve ça un peu gênant, pour ne pas dire davantage. Et je pense que c'est un peu décalé au regard des attentes, me semble-t-il, du, du pays. Ceci étant posé, et de manière plus prosaïque et euh, plus propre à notre pays et à la Corse, euh, on a eu l'occasion de le dire à ces dernières heures avec le PNC et Anseem, euh, moi j'espère deux choses, et c'est ce qui nous motive et nous guide dans le moment. Un, que la Corse, bien sûr, soit mentionnée de manière euh, claire dans le discours de politique générale de M. Barnier, et deux, que le dialogue ouvert au lendemain euh, de la mort d'Ivan Colonne euh, soit euh, remis en, en route et qu'on ait, sur la base des écritures constitutionnelles réalisées à l'époque et de la délibération ultra-majoritaire de l'Assemblée, un espace de discussion euh, qui puisse effectivement être rouvert. Alors. Si, — euh, Si Barnier est nommé, le casting du gouvernement n'est pas fait. Mais il y a des noms qui circulent. On parle de Bruno Retailleau à l'intérieur. Pour le coup, c'est quelqu'un qui a tout le temps été hostile aux réformes favorables à l'autonomie en Corse. Et qui plus est, indépendamment des personnes, il y a euh, un accord sous-jacent avec le RN qui n'est pas favorable à tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, le contexte vous semble bon, euh, y compris à quelques jours de la nomination des uns et des autres le contexte n'est pas des plus propices. On ne va pas se mentir et commencer à faire de la langue de bois aujourd'hui. Mais en même temps, euh, on parle de retaillot euh, etc. Euh, mais on parle aussi de Laurent Marcangeli. On parle de figures qui ont joué un rôle, y compris localement, dans la construction de la proposition d'autonomie. Vous y êtes favorable Donc, euh, à la... Laurent Marcangeli ministre bah, Ça me paraît une très bonne chose. Euh, ce n'est pas ma famille politique, on n'est pas issus des mêmes rangs, mais chacun sait qu'on a des relations de travail et de confiance. On a mené campagne ensemble, notamment euh, au second tour législatif, pour assurer l'élection de Paul André et bien sûr contribuer également à la sienne. Contre le RN, euh, notamment, et puis on a sur le processus une vision euh, convergente, à défaut d'être en tout point identique. Donc oui, moi je pense que avoir un compatriote euh, de ce rang-là euh, dans un, une équipe gouvernementale, c'est plutôt pas mal. Et surtout lorsqu'il est, comme c'est le cas, favorable à l'autonomie de la Corse. Alors depuis qu'il y a une majorité relative à l'Assemblée nationale, il y a une possibilité de négocier, qui avait beaucoup moins auparavant. Euh, on a vu que auparavant déjà, la précédente mandature, il y avait déjà des tractations régulières. Cette fois, l'IOT peut jouer un rôle plus important. Oui. Euh, mais est-ce il n'y a pas le danger d'y perdre son âme s'il n'y euh, a pas la volonté de la part du gouvernement d'aller euh, sur les questions qui vous intéressent. Par exemple, on a vu précédemment, euh, Paul-André Colombain n'a pas, par exemple, voté le jour où il il, le, la question du dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie Nouvelle s'est posée. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte de se perdre dans un système où euh, on donne un, un morceau à l'un pour obtenir, finalement on n'obtient rien, mais au, au milieu du chemin, eh bien, vous avez perdu finalement vos fondamentaux Alors, deux choses. D'abord, puisque je pense qu'il est important qu'on en reparle d'un mot, euh, sur la question euh, de l'attitude du gouvernement. Moi, je veux croire qu'il y a a priori un avant et un après euh, la parole du président de la République dans l'hémicycle. Pourquoi est-ce qu'on l'a souhaité en tant que nationaliste et plus généralement en tant que corse Parce qu'on voulait que ce soit la parole de l'État. Et pas simplement celle d'un ministre ou d'une équipe gouvernementale. On voulait que la parole de l'État soit engagée au plus haut niveau, en la personne du président de la République, dans l'hémicycle, qui est, chacun le sait, le cœur battant de la démocratie corse. C'était important. Et je veux croire que, quel que soit le Premier ministre ou le gouvernement demain, ce qui était un engagement d'État puisse demeurer. Sur l'attitude de, de Paul André, je vous confirme, puisque j'y ai été associé, qu'il n'y a eu à aucun moment de discussion donnant-donnant. Euh, il y a pas une discussion donnant-donnant est... par exemple sur le CHU Alors, en aucun cas. Paul André a été appelé à l'époque, il en a lui-même fait état concernant tantôt le devenir de la maternité, tantôt des sujets plus locaux, mais vous connaissez Paul André, il est resté fidèle à ses convictions. Il avait prévu effectivement de voter euh, donc, euh, sur la question euh, du dégel dans le sens euh, escompté, voulu euh, par le, 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 la mouvance contre, politique, qui est la nôtre, contre bien sûr, mais euh, n'étant pas présent ce soir-là, et il attendait la, la, la fois d'après, il n'a pas pu prendre part. Et immédiatement, ce que je peux comprendre, ce n'est pas un reproche, et surtout pas à votre endroit, on a extrapolé en disant que c'était le fruit d'une discussion. Pas du tout. Pour finir sur le CHU et tout ce qu'il a pu obtenir avant d'être réélu parlementaire, à l'époque où il était encore sur le second mandat. Il a bien sûr porté des dossiers avec beaucoup d'opiniâtreté, mais quand je dis lui, ça n'est pas que lui, c'est notre ami et notre militant, mais beaucoup ont pris une part active, y compris des députés corses ou non-corse, qui ne sont pas membres de l'IOT. Donc Paul-André Colomban est favorable au gel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie Paul-André Colomban est sur cette même position. Il est favorable au gel du corps électoral, comme l'ensemble, je crois, des parlementaires de notre mouvance, et plus généralement, à cet homme de Corse. J'évoquais la question de l'État et de son attitude qui, pour la Corse, doit demeurer constante, mais qui, pour la Kanaki, très clairement, ne l'a pas été. C'est un doux euphémisme. Et des accords de Nouméa à la situation politique d'aujourd'hui, il y a malheureusement un abîme qui n'est pas que de perplexité, il est aussi de conflit et de crise grave. Alors on entend beaucoup de chantiers pour ce, ce futur gouvernement, qui se fait attendre d'ailleurs. Parmi ces chantiers, on entend beaucoup parler du coût des régions au niveau de l'État. Est-ce que vous craignez qu'il y ait de réelles coupes dans le, dans le budget de l'État pour les, pour les régions Oui. Aussi Vous qui dénoncez on... d'ailleurs la mauvaise santé de, de la collectivité de Corse. de Corse. Oui, mais en même temps, sans atténuer le propos relatif à, à, à la collectivité, dire quand même aux Corses qui nous regardent et qui nous écoutent, euh, qu'il y a du point de vue de l'attitude de l'État, euh, je dirais depuis le début de, de la mandature, euh, et je ne parle pas que de la Corse ou, ou de la Corse seulement, euh, il y a une doctrine qui est très clairement à l'œuvre et qui consiste à faire reposer sur les collectivités locales, mairies notamment, interco, région, départements, plus chez nous fort heureusement, euh, des choix budgétaires euh, qui nous mettent dans des euh, difficultés euh, majeures. Bon, euh, donc on est prêt à prendre notre part et là je m'exprimerai quelques courts instants en tant que maire, mais je veux dire qu'il y a quand même une doctrine globale qui n'est pas à l'avantage des territoires et des collectivités locales. Ceci étant dit, rappelez également. Euh, que l'on a maintenant un État qui est dans une difficulté majeure, je vous renvoie aux propos de Bruno Le Maire, et euh, une urgence. Euh, comment, euh, plus prosaïquement et plus près de nous, nonobstant la question du financement des collectivités par l'État, à l'aune ou au pas d'une doctrine nouvelle, va-t-on pouvoir ramener la Corse sur des rails, euh, à défaut d'être des rails vertueux, de constance et de possibilité de financer moi, l'analyse que j'ai pu faire ces derniers temps, je la maintiens point par point, quoi qu'on en dise. Aujourd'hui, il y a des tas d'entreprises. De structures associatives, euh, de festivals, euh, d'artisans, de gens qui travaillent pour le grand donneur d'ordre de la Corse, la collectivité, qui sont at en attente de paiement. Et puis, il y a des sujets beaucoup plus graves la dotation de continuité territoriale, euh, la question euh, du protocole Borne, qui n'est toujours pas opérationnel, avec 200 millions d'euros à la clé sur le, la rénovation thermique euh, notamment. Il y a des sujets comme la PPU qui devait générer des milliers d'emplois directs ou indirects dans le domaine de la transition énergétique, qui ne sont toujours pas actifs. Et un pays qui croule sous les dettes, mais également sous les difficultés, et qui aujourd'hui ne voit pas le bout, ne voit clairement pas le bout. C'est une critique plus envers Gilles Simon qu'envers le gouvernement, là, que vous venez de faire. C'est les deux. Vous savez, moi, je vous avez compris que depuis quelque temps, le PNC, avant ou moi-même, on s'exprime avec beaucoup de liberté. Euh, pendant un moment, on a été dans cette majorité, et là aussi, il faut parler clairement encore. Il ne faut pas le raconter d'histoire. Quand on est dans une majorité. On est tenu par un devoir de solidarité. Et moi, j'ai des qualités et des défauts. Mais je ne suis pas un garçon déloyal. Moi, de 2015 à 2021, euh, en tant que conseiller exécutif, président d'une agence et d'un office, avec un groupe d'une quinzaine d'élus à, à l'Assemblée, je n'ai jamais, jamais voté contre un rapport, ni même... Prenez une abstention. Ce qui est suggéré dans ce que vous dites, je vous coupe ce qui est suggéré dans ce que vous dites, c'est que vous voyez déjà à ce moment-là euh, qu'il y avait des mauvais choix qui étaient faits, mais que vous les avez acceptés. C'est ce que vous dites. Il y a des choix que je n'aurais pas faits, voire même des choix, oui, que j'aurais pu ne pas soutenir, mais qu'on a soutenus, parce que tenus par l'accord Péagour, notamment celui de 2017, dont je rappelle qu'il avait été conclu pour 10 ans. Et on se disait, non pas simplement par intérêt pour le pouvoir, mais parce qu'on avait un peu de durée et de profondeur, qu'on aurait toujours le temps d'inverser la tendance, ou à tout le moins de rectifier un peu la, la trajectoire. 2021 est arrivé avec tout ce que vous savez, je n'y reviens pas ce, ce soir même si on pourrait, et les choses ont radicalement changé. Donc oui, on s'exprime avec beaucoup de liberté, avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup de franchise. Donc moi, je ne renvoie pas le gouvernement et la Corse dos à dos, mais je dis quand même que l'on a du point de vue du gouvernement une doctrine qui a été à l'œuvre qui n'est pas favorable, notamment au financement des collectivités locales et à la nécessité pour nous de rattraper historiquement l'île. Le PTIC, pardon d'être là aussi dans la non, la provocation non, mais à rebours ou à rebrousse poil, il a été bénéfique au maire que je suis, au sens où sans lui, très clairement, je n'aurais pas pu financer euh, de manière publique et en projetant une régie l'extension de mon port de plaisance et de pêche. Je rappelle que c'est un investissement qui aujourd'hui représente le premier marché public de Corse, qui va avoisiner les 140 ou 150 millions d'euros auquel la collectivité n'a pas donné un centime, et que l'État, via le PTIC, a aidé, comme tant d'autres projets, assez généreusement. Donc, il y a un propos un peu contrasté, mais une doctrine qui demeure. Reste, et j'en ai fini à ce stade, la collectivité, Bon, le compte n'y est pas, et je pense que c'est essentiellement dû pour le coup, euh, au-delà des difficultés que je ne nie pas, pour les avoir connues et même partagées, euh, dues à l'histoire, on ne va pas non plus les aggraver, je pense qu'il y a euh, une absence complète de vision. Et dès lors, de capacité à donner des priorités politiques. Moi, si vous me posez la question en tant que maire de Porto Vecchio, des priorités que j'ai envie de proposer aux Porto je vais vous dire, ben nous, le tourisme durable, l'économie bleue, l'entrepreneuriat culturel. Ça n'exclut pas le reste, mais il y a trois choix. Économie bleue, on fait un port. Entrepreneuriat culturel, on pose des actes dans le domaine culturel, éducatif, etc. Extrêmement euh, puissant. Et bien sûr, tourisme durable, on conforte notre destination, notre statut. Euh, pour la Corse, quelles sont les trois euh, priorités Impossible de le dire, et pour cause, parce que ceux qui nous dirigent ne savent pas les formuler, si tant est qu'ils les connaissent. Donc, moi, je suis très inquiet pour mon pays. Et on ne peut pas aujourd'hui, au nom de je ne sais quoi, m'empêcher de le dire. Des priorités comme ça, elles sont données. Peut-être qu'il n'y a pas forcément derrière réellement d'actions qui sont faites. Mais là, vous nous donnez trois priorités sans forcément parler d'actions non plus. Oui, j'ai évoqué des actions précises. Quand je parle d'économie bleue, on met un port en face. Quand je parle d'entrepreneuriat culturel, on pose des actes. Il y a des actes forts. Mais d'un mot, d'un mémoré, sur la collectivité. Vous dites, on entend. Moi, je n'entends pas en cette rentrée 2024. Où sont les 3, 4, 5 grandes priorités En tout pas cas, il est clair que la fiscalité est défavorable, que s'il y avait une TVA alignée alors, euh, sur le droit commun euh, en, sur le continent, pas, euh, les finances seraient dans un état certes, différent. Certes, et j'aurais mauvaise grâce à dire le contraire. Mais en même temps, euh, il y a quand même, au-delà des projets ou des visions ou des objectifs de développement et d'émancipation, un problème de réalisation et d'infrastructure. Et pour l' Pour le coup, j'inclus y compris la période durant laquelle nous étions en responsabilité. Je veux dire, la gauche a eu un certain nombre de sujets, la droite également, euh, cuide des réalisations de la mandature nationaliste dans le domaine des infrastructures lourdes. Alors, j'entends dire qu'on ne veut pas de barrages, parce que c'est trop long et que c'est trop cher, qu'on ne veut pas de grandes routes, qu'on ne veut pas d'équipements trop lourds, parce que, etc. Alors, je pose la question autrement. Qu'est-ce qu'on veut Bon, nous, on, on réalise des choses, euh, et je vais vous dire, je pense que la Corse aujourd'hui, elle a aussi besoin de ce rattrapage, PTC ou non, mais il faut véritablement aller plus loin, plus vite, ce que l'équipe actuelle, à mon avis, n'est pas capable de faire. On a compris vos critiques, vous n'êtes vous vous pas prêt de vous réconcilier avec, euh, avec Jussimion et avec Femagour, pas. Pourtant, au soir du premier tour des élections législatives, quand tout le monde était en difficulté, on oui. a parlé d'adjournement et, Alors... et on a appelé euh, à l'union. Est-ce que c'est pas il n'y a pas un peu d'hypocrisie dans, ce, dans ce, ce double discours Alors, un, je ne l'ai pas tenu. Donc on peut pas le mettre du PNC la Pascal, fait, fait. Pascal Zanier, et, oui. avec notre accord a parlé d'ajournement mais il, il s'est en même temps pris d'appel à l'union pour, pour le second tour. De dire je vais je vais en parler euh, que l'ajournement ne devait pas se limiter à la famille nationaliste et qu'il devait concerner toute la société politique oui. et l'intégralité du champ euh, je dirais partisan premier lieu, les nationalistes qui devait se réinventer. Ce discours, il reste d'actualité, il faut un adjournamento global, et bien sûr, il faut que la famille nationaliste se réinvente. On a tendance, mais... ces derniers temps, à nous accoler euh, des, je dirais, qualificatifs, ou en tous les cas, à réduire la portée de nos raisonnements, en disant, mais de, de toute façon, le PNC, avant le cem, les alliés objectifs ou les supplétifs de la droite. La vérité, c'est que ce que nous voulons, nous, sans être alliés à quiconque, c'est vivre notre propre vie en toute liberté, et développer, c'est vrai, un espace politique nouveau, avec des gens de bonne volonté et compétents, d'où qu'ils puissent venir, dans l'intérêt unique de la Corse. Mais le PNC a-t-il réellement soutenu Jean-Félix par exemple, dont on sait qu'il y, y a un de vos colistiers, Tony Paul, qui était soutien de Félix Alors, de vous, disiez, vous disiez, Gilles Siméon, Jean-Christophe Angé, etc. Moi, je n'ai pas de problème personnel. Non, il y a okay, mais un problème de pouvoir, quand même. Il y a un problème politique de vision. Il n'y a même pas de problème de pouvoir. Il y a qu'un problème personnel avec Jean-Félix Aquavi. Ça fait a... des années que vous êtes en mais rivalité. Mais on pas pas, ne pas... problème... peut pas dire qu il... Non, mais... qu il que c'est euh, la grande entente et qu'il n'y a pas de rivalité. Il n'y a pas de problème aujourd'hui personnel entre nous tous. Et je vais vous dire une chose. Non. Et vous dites je bonjour suis... à l'Assemblée, bien entendu. On... O... Et au-delà. Mais hmm. je ne suis pas certain, pardon, je ne dis pas pour vous, mais que ça intéresse les Corses. Il ah, y a une chose qu'il savoir, c'est que si les chose gens chose se qui... disent bonjour, s'ils s'apprécient, s'ils passent leur dimanche ensemble ou pas. Là, on parle de politique. Moi, j'ai mes amis qui ne sont pas nécessairement des militants. Il y a des militants avec lesquels je suis ami. Mais l'important, c'est qu'on soit aussi des hommes avec des prérogatives, entre guillemets, que libres. – La question bon. était, est-ce que que, est qu'il y a eu un réel soutien ça. à, euh, à euh, jean philippe Fexacoville dans le cadre du, du second tour des, des législatives ou est-ce que c'était uniquement pour la forme D'ailleurs, ce n'est pas vous qui avez fait, qui avez fait cet appel tout à, euh, à voter pour les sortants. D'ailleurs, jean philippe Fexacoville n'a même pas été nommé, c'était les sortants. C'est Pascal Zadio, ça a été remarqué c'était ce n'était pas vous. Et au final, le résultat, avec les voix du RN, laisse supposer que… Il n'y a pas eu ce qui avait été dit. Et qui plus est, je complète ma question, comment est-ce possible Parce que quand on voit que François-Xavier était opposé au transfert du pouvoir normatif, il y avait déjà une première raison de s'opposer selon vos critères. Il y en avait une seconde qui était le RN qui votait pour lui. Et au final, il y a cette déclaration qui n'apparaît pas clairement dans les résultats. – Alors, très clairement, là aussi de manière directe. Un, je ne sais pas comment s'est composé le résultat des uns et des autres au second tour. Le retrait du RN a complètement bouleversé la donne. Euh, on me dit de la gauche qu'elle aurait pu massivement voter pour le député euh, ancien. Euh, Jean-Philippe Saccoy. Voilà, Jean-Philippe Ah, nommé. mais je pas de difficulté à le <laughs> nommer. Mais j'allais dire sortant. Après, je sais pas bien qui est oui. sortant, si c'est François-Xavier ou Jean-Philippe Saccoy. Oui. Mais on va dire pour l'ancien député euh, que euh, le, le, les gens de droite ont massivement voté, ce qui n'a pas forcément été le cas en 2022, euh, pour euh, François-Xavier Tchéco, est alors qu'il y avait encore peut-être les séquelles des territoriales de 2021, hein, une année après. Bon, donc je sais pas. La question des reports de voile est compliquée. Concernant notre attitude. L'histoire, elle est extrêmement claire. Ben, je veux dire, vous savez, on ne va pas là aussi raconter des histoires aux gens qui nous regardent, euh, que depuis 2021, il y a, avec Femwa Sigan et ceux qui la dirigent à titre principal, des euh, difficultés politiques majeures. Et que le moins qu'on puisse dire, c'est que dans nos rangs, alors même que nous avons été exclus... Est-ce que vous n'avez pas plus de difficultés idéologiques avec ceux que vous soutenez aujourd'hui Nous avons été, mais je ne les soutiens pas, je vais en, en dire un mot, exclus de la majorité, il y a un empressement donc fou à aider des gens qui nous ont chassés le sourire aux lèvres. Le PNC a néanmoins, dans un geste politique euh, important à mon goût et à mes yeux, dit des choses en vue du second tour, soutien en sortant, y compris jusqu'à Laurent Marcange, ça a été dit, hum. mais des gens comme Tony, qui sont bon, pas des militants du PNC, Paul, Tony Paul, bon, et qui bon, sont des élus d'Awansea, moi, à l'Assemblée de Corse, on, il va euh, le rester Tony Paul Oui, il y a tout lieu de penser qu'il va le rester. Euh, Tony est un ami, un collègue et surtout je le redis, un militant davant d'Avancem, qui ça a été dit dans des conditions que je tairai ce soir euh, par un tweet euh, euh, plus ou moins. On en reparlera euh, clandestin la <laughs> a été euh, donc euh, Ça peut arriver, il y en a de tous les bords. Oui, les bords, hein oui, pas d'une autre. Non. Hein. non non, de tous les bords. Moi je, je vous le dis, moi les des les comptes fake. Mais... Pour faire dire des choses que je ne peux pas dire ou que je ne voudrais dire moi-même, je n'en ai pas. Euh, je referme la parenthèse. Ça veut dire que d'autres politiques en auraient Écoutez, c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Non, non, c'est vous qui le dites. Non, mais moi je dis juste que je n'en ai pas. Je ne ah, dis pas que les autres en ont. Bien. Mais celui-là, a priori, il existe. Donc, euh, concernant Anthony Paul, et tant d'autres qui ont été militants de la démarche d'Avancem et aujourd'hui élus à l'Assemblée, il y a eu. Il y a une une eu envoyer un signal, finalement, à François joseph pour le dire. Euh, mais nous, pour finir là-dessus, il y a eu, c'est vrai. D'où le tweet, peut-être euh, une difficulté d'appréhension disant Mais attendez, qu'est-ce qui se passe On en a débattu, et pour être tout à fait honnête, on en discute encore. Donc les choses sont posées dans un cadre très serein, à la fois amical et politique, avec Tony Paul, et je le redis avec d'autres. Je ah, finis juste donc de... sur euh, la législative, et j'en ai vraiment terminé à ce stade. Nous, on laisse de la liberté aux gens il n'y a pas d'endoctrinement. Et de toute façon, vu l'écart au second tour, je pense malheureusement que les dés ou les jeux étaient faits. Et très rapidement, sur l'avenir, est-ce qu'un axe, euh, Angeline, Orsucci, Marc-Ange et est-ce que c'est euh, envisageable pour les prochaines, par exemple, alors, les prochaines élections euh, Tout en sachant très bien que vous allez être avec des gens qui, idéologiquement, ne sont pas forcément proches de vous. Ma démarche n'est pas encore bien comprise et je l'entends. Mais un, je demeure nationaliste, nationaliste corse. C'est ma famille politique, c'est mon horizon. Deux, je pense que le nationalisme doit se réinventer et qu'il doit en effet s'ouvrir le champ de l'ouverture n'est pas exclusif et ne se résume même pas aux personnalités que vous avez évoquées. Mais de toute façon, dire l'avenir c'est une combinaison entre trois ou quatre types ou filles un peu plus connues que d'autres et notamment ceux que vous avez cités, c'est réducteur. L'alternative à l'actuelle gestion c'est un rassemblement plus large encore, y compris avec des gens de gauche. Et d'autres encore, parce que oui, il faut changer de politique. Je ne parle pas que d'un ou de femme. Il faut changer de vision et avoir un vrai projet pour la Corse. Merci Jean-Christophe Nolli, merci Benoît Moré, et coups de main à Vénédi. Je te mentionne l'information et continuez d'agir. Quelques minutes de l'ouverture et d'Angélique Marconi pour ce nouveau dossier.